Les amis, bonjour et bienvenue sur Scum. Bonsoir. Bonsoir, c'est vous qui parlez. Bonsoir monsieur, ça va? Il est trop con. Monsieur Gamy, je suis un peu nu et il fait froid. Est-ce que vous êtes fier de faire partie de la squad tout nu? Oui, mais j'aimerais bien mettre un habit. Non, c'est interdit. Ah bah d'accord. Monsieur Shadowmas, est-ce que vous êtes fier de faire partie de la team toute nue? Oh, mon frère, c'est pas sympa. Ah, ben. Oh, oh la, la giga quest qui lui a mis. Alors toi, non, les gars, ça commence tellement mal. Sacré chelongard que vous avez là. Merci, merci, toi aussi. Attendez, attendez, il faut qu'on mette une danse en même temps. Go. Oui. Il y a un mec qui nous regarde. Voilà, c'est ça la danse. Alors, t'aimes bien Termidji, mon danse? T'aimes bien ce que tu vois? Là, ce que je vois, c'est beau. Il se disait à l'air. J'aime bien ce que je vois là. Imaginez un admin nous regarde en vrai à ce moment-là. Ok les amis, aujourd'hui on va partir en mission très très spéciale. Spéciale. Est-ce que vous savez pourquoi elle est spéciale? Non. Parce que nous serons tout nus et nous resterons tout nus. Quoi? Oui. Quoi? Le but va être de pranker des joueurs, d'accord? Comment on prank des joueurs? On les attire. Et avec quoi on peut le mieux les attirer dans ce jeu les gars? Ma bite. Oh, ouais, bon monsieur, arrêtez avec votre chelongard à tout va. Voilà. Oh, 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 il est habillé lui. Merde, à poil. À poil. À poil. Je suis en train de mourir par contre là. Oh, les amis, regardez ce que j'ai dans mon dos quoi. J'ai l'arme spéciale. Mais... celui il veut se battre avec moi, il va se la prendre. Ok, zizi a l'air l'arme à l'œil, c'est parti. Je vais juste prendre des sacs pour attirer les ennemis les gars. Oh monsieur Termidji. Mes hommages. Parce que les amis, quand même, comme vous pouvez voir, on a tryhard le jeu, on a une giga base et on a une giga caisse aussi, on a la caisse, la meilleure caisse du jeu, les gars. Elle est là, les gars, regardez-moi ce bolide, là, le bolide. On est les tout nus. On est les tout nus. Tout nus. Bah écoutez, moi, je vous attends dans la voiture tout nu. On va aller mettre la voiture sur la route, les gars, en mode embuscade et on va se cacher dans les buissons. L'opération va-t-elle fonctionner, Gizmo? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Donc là, à tout moment, on meurt, quoi. Oui. Merde. On l'a kidnappé. On a kidnappé Termidji tout nu dans le coffre. Et tu restes ça. Ok. Alors, déjà, Gamy, est-ce que tu as retenu le plan? Non. D'accord. Oui, pardon. Oui, t'es sûr? T'as pas l'air confiant. Oui, j'ai retenu le plan. Je vous rappelle que nous sommes les tout nus et que nous allons semer la terreur. Alors, ayez peur en nous. L'avant-poste est juste ici. C'est une safe zone et ça veut dire que personne là-bas ne peut se tuer. Mais nous allons nous placer à la route juste devant. Parce que les gens là-bas qui sont en quête d'y aller passeront forcément par cette route. Et nous allons poser une sorte de leurre. Un petit piège qui les feront s'arrêter là où ils sont encore tuables. Et oui. Et c'est là que nous interviendrons en les défonçant. Tout nu. Tout nu, oui. Avec le ciel. Mais avant que nous arrivions, un petit extrait des aventures de Gamios et de Gizmos. Petit, j'arrive pour crocheter votre base en fait. J'ai mon sniper là-bas, c'est Billy. C'est moi, Billy. Le sniper trop indiscret. C'est moi. Je suis Billy. Vous savez, ces petits salopios, ils peuvent être tapis comme des rats. Je suis là pour les débusquer. Écoute, je vais déjà vérifier quel type de verrou ça peut être, ok. Ouvrir. Y'a pas de verrou, y'a pas de verrou, gros. Y'a pas de verrou. Je viens. Viens, je veux que tu viens. Je viens. Et peut-être on a le sang gras là. Ok, ok, je joue. Ok. Oh. Oh. Y a des, dis-moi qu'il y a des trucs. Oh, y a un drapeau. Ok, on prend le flag au moins. Prendre le contrôle du drapeau. Mec, j'ai une idée. Quoi? On les attend là? On les attend à l'intérieur. Oh, mec, si ça si ça marche, ils vont être choqués. Hein. Oh putain, y'a un zombie sur moi, y'a un zombie sur moi. Faut qu'on le tue à la hache. On le tue à la hache. Ah là, j'ai pas de hache, j'ai un god. Merde, attends. Tiens, prends ça. Tu te souviens quand tu me victimisais à l'école? Tiens. Oh, prends ça, Timothée. Voilà. La maîtresse, elle a dit que t'étais un vilain. Ah garçon. Mais il est pas mort. Mais putain, j'arrive pas à le tuer. Comment ça me saouler celui-là? Putain, bah marre. Marre. Putain, mais il a mangé trop de trucs, lui. Il a volé mon dessert à la cantoche. Arrête. Le réfectoire, c'était pas qu'à toi. Aïe. Oh, salaud. Et donne-lui des coups de schlasse. Oh, ça a détecté là-bas. Ah, j'ai besoin de faire caca, en fait. Ah non, 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 non. Non. Ah si. Non, bah, mais si, non, 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 on est en pleine mission. Oh bro. Oh les gars. Alors je suis désolé de cachez-vous. Oh, il est en train de chier sur le sol. Oh bro, ça me tire dessus. Il est en train de faire caca. Je t'avais dit de pas chier. Cours, cours vite, cours vite. Oh, ça nous tire dessus. Cours vite, ça nous tire dessus. Je peux pas. Non, non, non. Cours. Il est en train de faire caca. Mais non. Vas-y, tu peux t'en sortir. Ne jamais chier dans la forêt. C'est quoi ce timing? Non mais gros, oh, c'est astronomique ce qui se passe. Je comprends pas. Il y a trop de choses qui se passent à la minute là. On aurait pu faire un panneau avec écrit on vous chie dessus. Tu mets un code gugu dans. Oh oui, code gugu. Attends, on peut pas faire de panneau, mais je vais faire un truc. On retourne à l'état sauvage. Je marque mon territoire. Il est clairement tout nu, lui.
Je marque mon territoire. Moi je sors de cette maison. Je marque mon territoire maintenant. On a pris leur drapeau et on chie dans leur cabane. C'est comme ça qu'on marque son territoire maintenant. J'entends. Ils sont là. Ils ont rien. Il y a son mail derrière, je crois. Et je crois qu'il a une arme, mais je suis pas sûr. Ça fout le lag, hein. Ça fout le lag. Mais frère. Ah ouais, mais... Ah ouais, ouais, ça lag. Ouais, c'est toi qui me tire dessus. Putain. Ah oui, devant. We can talk. Come on, we can talk. Come with your hands up. I saw you behind the tree. Come on, come on. I'm not gonna shoot you. We can talk. Can you talk? We don't want to be enemy. Bro. Je l'ai retué, il m'a pas donné de points quand je l'ai revendiqué. Oh mais frère, il est sérieux lui. Oh lui, what the fuck, j'ai mis un headshot. Attends, lui je le revendique. Mais wesh, lui t'es caché derrière l'arbre depuis tout à l'heure, frère. Bon allez, on s'arrache et c'est bon. Non mais toi tu vas fumer. Je lui dis, we don't want to be enemy. Oh t'as pas plaisanté gros. Et après je vois un homme nu derrière un arbre, frère. C'est quoi ce jeu? C'est n'importe quoi. Et bah il mérite le châtiment. Oh. Là c'est le moment. Là c'est le moment où tu fermes ta gueule. C'est bon. Eh, par contre, j'espère que ça va marcher, hein, vraiment. Parce que là on a une chance sur 1 milliard que ça marche. Mais ça peut le faire. Et je pense qu'il nous faudrait un appât qui lève les mains. T'es à midi. Pas toujours moi. Tu la veux ta sucette, oui ou non? Il passera pour un gag. On a dit tout nu. Tout nu, tu l'enlèves ta chemise. Ok, alors il va nous en falloir un ici. C'est parfait, Shadowbass, tu es très très bien ici. Attends, voilà, les pieds vers le truc. Oh là, on te voit pas. Là, on te voit pas. Oh, t'es midi, le pauvre. Oh, la giga embuscade, les gars. Changement de programme, on remballe les enfants. Termini, il a vraiment la gueule d'un putain de mec qu'on a kidnappé et maltraité. Mais s'il est chaud maintenant. Ouais. Si les gens ne viennent pas à nous, je pense que nous irons aux gens. Nous allons débusquer le Shadowbass. Ouais, ya, wow. Débusquons le rat. Oh, il était là. Le rat. Il va falloir bien ce stuff. C'est parti, nous retournons à la base. Là, c'est fini les tout nus, nous passons aux choses sérieuses. Il était temps. Habillez-vous chaudement, nous allons à la montagne. Tiens. T'es content? Écoute Becky que t'as donné à Flavie. Tu commences pas à me choper par le callback. Oh là ça va, je rigole. Tu commences pas à me choper par le callback. Les amis, là on va tout simplement s'attaquer au plus fort du serve. Il y a à peu près 99% de chances qu'on n'y arrive pas. Merci, c'est enthousiaste. Alors maintenant va falloir les retrouver dans la montagne. Oh putain, il y a une voiture devant. Je jure. Attends, ils sont passés où? Ils sont là. Défoncez-les. Il faut que vous passiez devant. Ok, je vais passer devant. Je passe devant et je vais les shooter. Oh là là, course poursuite. Vas-y. Ça va le faire. Oh là, ils nous tirent dessus. Allez-y, vous pouvez le faire. Défoncez-les, les gars. Défoncez-les. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon arme qui est déraillée là. Oh non. Oh, ils sont hardcore. Ils sont énervés. Ils sont énervés. La voiture roule plus. Aïe. Défoncez-les, je me suis pris une balle. Mais je peux pas tirer. Ils nous ont pété les pneus, je peux rien faire, je suis en train de mourir. Faut vraiment se replier là quelque part. Je peux rien faire. Fumez-les. Je les vois même pas, je sais même pas où ils sont. Putain, j'arrive plus à conduire, ils nous ont pété les pneus. Non mais on est vraiment une équipe de bras cassés. Mon arme était full déraillée gros, pile à ce moment là, c'est un truc de fou. Heureusement que j'ai remarqué maintenant que j'avais pas de balle dans mon pot. Un peu des cassos aussi, on aurait large plus dessus. Bah quand même, Termidi a oublié qu'il avait pas de balles dans son bombe. Excusez-moi. Bah, oui, c'est un cassos. Là, il dit on est des cassos, mais c'est toi qui avais pas de balles dans ton arme. Comment ça mon ref? On est vraiment des merdes. Hein. On est vraiment des grands fils de pute. Hein. Je parle pour nous, hein. Ah si, je peux éviter d'être le seul dans le tas. Putain, je vous avais dit qu'on aurait jamais dû le ramener dans notre coffre, le SDF, là. En fait, la montagne est tellement grande. Oh putain de merde. Ils sont juste devant. Ok, là c'est le moment de véritade. Là les gars, ça peut... Derrière vous. Zombie. Oh non, c'est un zombie. Je l'avais pas vu. Tirez pas. En fait, il faudrait donner des outils de crochetage à Termidi pour qu'il fasse genre il croche. C'est comme ça, dès qu'ils ouvrent la porte. Fou, mais t'en as pas toi sur toi? Allez, vas-y Termidi, on croit en toi. Ils ont pas l'air connectés les gars. Hein. T'inquiète Termidi, ça va bien se passer. Fini. Oh, il boite. Les gars, attendez, je vais essayer un truc, ok? Ouais. Grula. Oh. Alors là, c'est... Bon, go placer ici. Ok, on se recule, boum. Elle est morte, elle est là. Ok. Wouah.
Oh putain, on m'a tué. On m'a tué, y'a un mec. Mais non, mais pourquoi moi, frère, à chaque fois? Bon, moi je vais dans leur base, hein. Je vais clairement dessus en parachute. Oh, je te vois. Oh, il est sur le toit. Il est sur le toit. J'ai pas réussi à aller dedans. Mais ouais, mais ils sont toujours au même spot, gros, j'en peux plus. Donc. Ouais, certes, quoi. Le pire, c'est qu'on peut même pas voir en fait. Là, c'est pour la gloire, là. Je vais essayer de me suicider et d'arriver sur lui, ok? Ouais, il est toujours sur le toit. Oui, mais parce qu'il a bien une technique pour monter. Oh, je suis dedans. Je suis dedans, mais je boite. Mais j'ai perdu une jambe, mais je suis dedans. Je sais pas s'ils me voient, hein, les gars. Il y en a d'autres, ils sont... Mais mec, ils ont vraiment reçu une notif, j'ai l'impression. Mais ils ont reçu une notif. Les gars, c'est des giga nerds, en fait. C'est des fils de pute de nerds. Eh, j'ai envie d'aller sur lui et de lui mettre des patates, frère, sur le toit, là. Non, reviens récupérer ton stuff. Mais pourquoi il bouge pas du tout, ça m'énerve. J'ai envie de monter, gros. Oh, Gizmo. Oh, salut les copains, ça va? Juste là. Il est là, il est là, Oh putain, mais attends, je le vois en fait, il est invisible en fait pour nous. Ah, je vois en bas. Il y en a en bas? Attends, dans la tour. Oh non. Oh, t'en as eu un? Il a eu. Oh, let's go. 200 points, mec. Oh, il a gagné 200 points en le tuant. Oh, mec, j'ai tué. Mais parce que je l'ai mis en headshot. Wow, bien joué. Ah, nous partons sur un échec, je crois. Je pense que le mieux est de retourner à la voiture. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé les Too Nu Squad. On a perdu. c'était un gros échec, mais bon, c'était quand même rigolo. Et j'espère que vous aurez kiffé. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur Scam, lâchez un maximum de likes. C'est moi qui vous le dis. Allez, tout nu.